che ti serve quando ti serve. Con EasyBank, la banca digitale di Intesa San Paolo. Fiducia, permettete a Cristo di parlare all'uomo. Don Giuse aveva capito il problema che avevo. Se la tua vocazione è vero, il tuo lavoro verrà fuori anche dai sassi. Comunicare la fede agli altri, ma veramente insieme a loro riscoprire che cos'è la fede, che cos'è la fede per me. Portare Cristo agli altri, comunicarlo agli altri, è l'unico modo che abbiamo per conoscerlo veramente. L'Iter Communionis aiuta a comunicare all'esterno la ricchezza di vita, di giudizi, di tentativi, di opere che nascono dalle persone e dalle comunità. L'Iter Communionis è proprio la vita del movimento. Scrivete all'Iter Communionis le vostre esperienze, ci fate bene. Prestare il proprio tempo per il bene comune è un valore prezioso che va sostenuto e tutelato. Da sempre, vicini a enti religiosi e non profit. Contatta subito i nostri agenti. E allora si è voltato improvvisamente alla gente che era lì e ha detto: la gente che cosa dice che io sia? Chi dice che io sia? E voi chi dite che io sia? È bello avere quello che ti serve quando ti serve. Con EasyBank, la banca digitale di Intesa San Paolo. Fiducia, permettete a Cristo di parlare all'uomo. Don Giuse aveva capito il problema che avevo. Se la tua vocazione è vero, il tuo lavoro verrà fuori anche dai sassi. Comunicare la fede agli altri, ma veramente insieme a loro riscoprire che cos'è la fede, che cos'è la fede per me. Portare Cristo agli altri, comunicarlo agli altri, è l'unico modo che abbiamo per conoscerlo veramente.
L'iter comunionis aiuta a comunicare all'esterno la ricchezza di vita, di giudizi, di tentativi, di opere che nascono dalle persone e dalle comunità. L'iter comunionis è proprio la vita del movimento. Scrivete all'iter comunionis le vostre esperienze, ci fate bene. Prestare il proprio tempo per il bene comune è un valore prezioso che va sostenuto e tutelato. Da sempre, vicini a enti religiosi e non profit. Contatta subito i nostri agenti. E allora si è voltato improvvisamente la gente che era lì e ha detto: la gente che cosa dice che io sia? Chi dice che io sia? E voi chi dite che io sia? Civiltà dell'amore, fratelli e sorelle, costruite senza stancarvi mai questa civiltà. Lavorate per questo, pregate per questo, soffrite per questo. Thank you.
Un grand bienvenue à chacun d'entre vous et une chaleureuse bienvenue au père Adrien Candiard. Si nous ne recherchons pas l'essentiel, alors que cherchons-nous ? Dans ces mois de préparation au meeting, ce titre a trouvé déjà chez beaucoup de personnes un écho, une consonance presque immédiate. C'est comme si cette interrogation avait suscité un certain souffle, avait ouvert un horizon dans un monde dans lequel on est chaque jour envahi par une infinité d'informations et aussi de distractions, impliqué et parfois emporté par les changements incessants, imprévus et parfois violents. Il est bien trop évident qu'il est nécessaire de trouver ou de retrouver une essentialité qui nous permette de vivre avec dignité et vérité une vie qui ne veut pas succomber au risque d'une aliénation latente ou explicite, qui cherche des relations positives et fécondes, qui cherche dans des relations positives et fécondes une essentialité qui nous soutienne pour être libres et sincères. Nous sommes très reconnaissants au père Adrien Candiard d'avoir accepté notre invitation à partager avec nous ses expériences et ses réflexions sur cette interrogation que nous avons emprunté à l'auteur américain McCarthy. Les fréquentateurs du meeting de ces dernières années se souviennent que le père Candiard est intervenu en 2021 dans une intervention qui s'intitulait « Le moi, la foi et le défi des cultures » et l'année dernière dans une rencontre intitulée « L'aplatissement du monde et la demande de vérité ». C'est dans ces deux moments est apparu sa capacité à affronter les interrogations essentielles de notre temps avec une intelligence originelle et une sensibilité originale, qui sont des caractéristiques que nous trouvons aussi dans ses nombreuses publications qui ont touché un grand public international et qui ont reçu des prix prestigieux. Le père Candiard est né à Paris. Il est entré en 2006 dans l'ordre dominicain après une période consacrée à la politique. Depuis 12 ans, il vit au Caire. Il est membre de l'Institut dominicain pour les études orientales et prieur du couvent dominicain local. Il vit donc dans un lieu qui a certainement favorisé son don particulier pour dialoguer de manière sincère et féconde avec d'autres religions et d'autres cultures. Merci, Père Candiard, d'être parmi nous et je vous cède la parole. Merci, Bernard, pour cet accueil chaleureux et merci à vous tous, et c'est en effet la troisième fois que je viens ici pour le meeting de Rimini. Je sais qu'en italien, je pense que vous pouvez bien dire que mon italien n'a pas amélioré, et c'est difficile, c'est bien difficile, et je m'excuse quand j'ai voyagé pendant la nuit, comme cette fois-ci. Mais au Caire, où j'habite, comme on l'a bien dit, un jeune Français de 23 ans est venu me chercher. Et il était en Égypte pour une expérience de bénévolat pour quelques mois. Il est venu me chercher pour
parlé de la fin de son séjour en Égypte. Il ne lui restait qu'un mois et je lui ai demandé ce qu'il allait faire pendant ce mois. Il réfléchit et il me répond « Profitez ». Au moins en français, le verbe « profiter » doit être entendu au sens, je pense, différent par rapport au sens italien, donc au sens français de qui veut dire « profiter pleinement du temps ». Et on répète toujours ce mot « profiter ». Surtout, ce sont les jeunes de sa génération qui utilisent ce verbe, comme si c'était un impératif, un secret de la sagesse ultime, une règle morale suprême. Mais dans la bouche de ce jeune garçon catholique qui offrait son temps, ce mot n'avait aucun sens vulgaire, hédoniste ou plutôt égoïste comme Don Juan ou Pétrone. Il voulait simplement vivre pleinement ce dernier mois, s'engager au fond pour les garçons auxquels il a enseigné, ne pas gâcher un seul moment précieux pendant lesquels il pouvait découvrir l'Égypte, recevoir l'amour des amis qu'il avait rencontrés là-bas, vivre pleinement l'aventure de son séjour loin de chez lui. Il n'y avait aucun sens qu'on pouvait condamner au sens moral. Et c'est pour cette raison que je n'ai pas blâmé sa devise « profiter », comme on pouvait le faire en suivant un moralisme étroit qui opposait au sens de sacrifice le sens de jouissance. Et selon cette perspective, peut-être qu'on avait, on pouvait rater l'essentiel. Il faut profiter, mais au fond de quoi ? Profiter de quoi ? Ou plus précisément, selon quel ordre de priorité ? Et je lui réponds, voilà ce qui va arriver dans pendant ces derniers mois. Si ta seule devise pour ce dernier mois est ne pas gâcher, même pas une seule seconde, de vivre pleinement et de vivre uniquement des moments exceptionnels, alors tu vas passer ton temps en te demandant si ce que tu vis est un moment à la hauteur de tes attentes. Si peut-être tu n'aurais pas mieux fait d'être dans une autre partie du monde avec d'autres personnes. Vous allez toujours vivre tristement ce moment. C'est une tyrannie exigeante quand on pense à cet impératif « profiter ». C'est une tyrannie plutôt paradoxale parce que cet impératif nous empêche d'être simplement là en étant heureux de ce qu'on est en train de vivre. C'est un verbe qui cache une préoccupation qui perdure et qui gâche ce qu'il promit. Être obligé de tout profiter veut dire surtout avoir peur de perdre quelque chose. C'est impossible de profiter si on est persuadé de vouloir tout profiter, Et ces jours-là, j'ai pu parler avec de la clarté parce que malgré que j'étais toujours l'adulte qui était là pour donner des conseils de vie, ces gens-là étaient là en m'écoutant. Et il avait entendu ce que je disais, il avait entendu cette impasse de cette devise. Et donc il me demande, mais quoi faire ? Au fond, ma sagesse est la sagesse de Sénèque. Pour un marin qui ne sait pas dans quel port débarquer, aucun vent lui est favorable.
qu'est-ce qu'il veut faire pendant ce mois? Qu'est-ce que c'est plus important? Qu'est-ce qu'il ne veut pas perdre? Il faut le décider et suivre cette décision. Et la Providence va lui amener quelque chose en plus en tant que don à accueillir avec de la gratitude. Profiter, c'est bien, mais il faut bien savoir ce qu'on veut. Il faut avoir une idée plutôt relative de ce qui est essentiel. Aujourd'hui, je suis là à vous raconter une anecdote plutôt commune dans la vie d'un prêtre parce que, à ce moment-là, c'était comme une fable qui pouvait bien s'adapter à notre condition moderne. Aujourd'hui, les personnes bien qui veulent faire du bien ont peur, ont très peur de perdre leur vie, de rater quelque chose, de continuer dans cette recherche en se plongeant, en regardant tout le temps un écran qui ne s'éteint jamais et qui reste là d'un moment comme si il nous promettait tout le temps qu'il y a un monde plus intéressant auquel on peut accéder grâce à une notification ou un message. Avec une promesse d'être toujours là, en vigilance. Et quelle est la morale de cette fable? Au lieu de nous concentrer et être attentif à toute chose, il serait mieux de nous concentrer sur l'essentiel. C'est peut-être une conclusion sage, mais qui ne nous amène pas très loin. Après tout, rien n'est plus aimable qu'une invitation à préférer l'essentiel au secondaire. Qui pourrait être contre cette affirmation? Même les personnes plus originales qui veulent défendre le superficiel, ce qui est superficiel, ils affirment que tout ce qui est inutile est en effet fondamental. Et c'est toujours l'essentiel qui prévaut. Tout le monde est d'accord que l'essentiel est essentiel. Mais c'est justement plus difficile de comprendre quel est cet essentiel, quelle est sa nature. Et là, il y a des problèmes. Je ne veux pas dire des problèmes ici à Rimini, évidemment. Une association chrétienne, Communion et Libération. Une association qui invite en frères à parler, un frère prêcheur à parler. Et c'est évidemment pas surprenant, ce n'est pas surprenant si aujourd'hui je vous dis que l'essentiel sur lequel il faut se concentrer, c'est Jésus-Christ. Même si je sais qu'aujourd'hui, il n'y a pas seulement des chrétiens ou des catholiques. Et c'est là l'intérêt du meeting. Aujourd'hui, ici, personne ne va pas se scandaliser si je vous disais cela. Vous pouvez être peut-être déçu parce que vous n'avez rien appris, rien de nouveau, ou bien que vous n'avez pas reçu une chose à partager. Quand vous allez rentrer chez vous, parce que vous le savez très bien, qu'une fois le meeting terminé, quand vous allez rentrer chez vous avec des beaux souvenirs et de nouvelles idées, avec ces rencontres enrichissantes, vous allez retrouver votre monde, et on le sait, dans notre monde, chacun a une idée de ce qui devrait être considéré comme essentiel.
Et voilà la peculiarité de nos sociétés modernes. On n'est pas d'accord sur ce qui est essentiel. Et ce n'est pas une nouveauté. C'est justement ce que Max Weber décrivait il y a un siècle, quand il parlait de polythéisme des valeurs. Le sociologue décrivait la société d'Allemagne de 1919 comme une société traversée par des systèmes de valeurs différents et parmi lesquels il était presque impossible de choisir en suivant la méthode scientifique et choisir avec de la sûreté. Est-ce que la civilisation française est meilleure ou de la civilisation allemande ou pas? J'ai une opinion et je vous laisse imaginer quelle est mon opinion personnelle à propos de cela. Mais Weber avait raison. Je n'ai qu'une opinion personnelle, ce n'est pas une vérité scientifique. Et Weber y ajoute que dans la violence du sermon de la montagne, quand il y a l'invitation à tendre l'autre joue, il y avait un horizon insurmontable de l'éthique. Alors que les autres, par exemple les personnes qui lisaient Nietzsche, ils avaient une idée différente de la dignité d'un être viril et ils préféraient rendre coup sur coup. Weber dit que chacun doit choisir entre ces deux éthiques inconciliables. Une éthique va avoir le visage du diable et l'autre le visage de Dieu. Et comme vous le savez, c'est facile de prendre ces exemples et trouver des confirmations au fait que l'histoire de Weber s'est renforcée dans le siècle d'après, dans le siècle suivant. Donc, au nom d'une éthique de la compassion et du refus de la souffrance, est-ce qu'il faut proposer la mort aux personnes qui souffrent? Ou est-ce qu'il faut, au contraire, nous s'opposer avec toutes nos forces à une exception pour l'euthanasie qui pourrait laisser mourir bientôt les personnes faibles, les pauvres, les personnes handicapées. Toutes les personnes qui sont considérées comme un poids pour la société. Il s'agit d'un débat qui traverse nos sociétés. Et dans ce débat, on peut bien avoir une opinion précise. Mais on ne peut pas croire, quand on parle d'un sujet aussi fondamental comme la vie et la mort, que notre opinion va être partagée par tout le monde. Même pas par les personnes qui nous entourent. Et c'est pour cette raison qu'on se retrouve dans des débats qui ne s'arrêtent jamais, parce qu'il s'agit des débats indécidables. Si on n'est pas d'accord sur ce qui est essentiel, voilà que malheureusement, nos pensées n'ont aucune influence sur les personnes qui ne sont pas de notre opinion. C'est justement ce que Weber appelait la guerre des dieux. L'opposition dans la société entre des conceptions irréducibles, non seulement sur quelques détails, mais sur ce qui doit être considéré comme essentiel. Nous ne sommes pas seulement les héritiers
de l'étude de Weber, mais de sa solution aussi. Pour éviter cette violence de la guerre des dieux, la désagrégation des sociétés où les membres ont des visions différentes de ce qui est essentiel, il disait qu'il fallait distinguer les faits des valeurs. Les faits font l'objet de la science. Alors que les valeurs sont encadrées dans la liberté de choix. Peut-être que nous avons un petit peu radicalisé cette solution proposée par Weber. Si ce débat sur l'essentiel devait être effacé du débat scientifique parce qu'on ne pouvait pas parvenir à une solution scientifique, peut-être que nous avons tendance à effacer cette solution du débat tout court pour la paix civile. Pour atteindre la paix civile, on pourrait, dans notre société, faire les affaires, commercialiser, aller au cinéma, parler de football ou de temps, mais non pas parler de ce qui est essentiel. Ne pas entamer des discours sur ce qui devrait être considéré comme essentiel. Ou, plus précisément, on peut en parler pendant tout le temps qu'on veut, jusqu'à quand les autres sont d'accord avec nous. Jusqu'à quand notre conception d'essentiel va être considérée comme la définition plus vraie, plus essentielle de l'autre. Et ce polythéisme des valeurs de Weber était une réalité. Quand il y avait des systèmes qui s'opposaient pour prévaloir les uns sur les autres. Et dans nos démocraties pluralistes, cette question n'est pas plus une question réelle, mais une question de droit, parce que il n'y a aucun système de valeurs, n'importe quelle est l'ambition de ce système, qui peut prévaloir et s'imposer sur la liberté de choix de chacun de nous. Et dans cette situation qui est bien la nôtre, quelle serait l'attitude chrétienne? Évidemment, on ne peut pas se contenter. Quand on sait qu'on est les porteurs d'une salut universel, de lire l'Évangile comme une série des propositions particulières qui ne concernent pas tout le monde. Je pense que le mouvement essentiel du pape Benoît XVI peut être entendu comme un effort de recréer l'universel, d'affirmer à nouveau cette possibilité d'un champ commun pour parler avec tous les hommes, le terrain de la rationalité, pour expliquer dans ce terrain qu'on a retrouvé les raisons de la foi, pour remettre au centre les débats sur l'essentiel. C'est un effort qu'on peut admirer, admirable, qu'il faut continuer et amplifier. Et je pense que le meeting de Rimini parvient à cet effort. Mais il faut continuer sans nous faire des illusions. Nos sociétés sont pluralistes. Et au niveau humain, on ne peut pas surmonter ce pluralisme. Et c'est justement cette société qui doit être évangélisée en intégrant l'universel. Et ce n'est pas une tâche facile, évangéliser une société qui est pluraliste. Bien, très tôt, on finit par nous adapter et accepter les règles d'un fonctionnement de concurrence. Un petit peu comme Pepsi et Coca-Cola font quand ils divisent leur marché en s'opposant. Nous devons faire
nous devons gagner des quotas de marché, des parts de marché, ou bien ne pas trop les perdre face à, à notre concurrence, l'islam, le pentecôtisme, l'athéisme et surtout l'indifférence et un matérialisme diffusé. C'est une tentation pour les chrétiens de se considérer en champ entre les autres champs, évidemment le champ meilleur, en essayant de collecter la plupart des âmes pour sa propre cause, en ayant angoisse des conversions et de ce qui arrive. Et c'est une tentation de nous plonger dans ce grand marché où chaque personne propose à un public qui n'a aucune orientation son idée de essentiel, en essayant de lever la voix, de capturer le public entre des propositions très nombreuses comme les pâtes que vous avez dans les rayons de vos supermarchés. Vendez-moi Jésus. Voilà ce que, en France, une fille m'a dit dans un bar. Il avait été attiré par mes vêtements religieux, qui, en France, sont un petit peu plus exotiques par rapport à l'Italie. Et quand elle m'a posé cette question, elle était curieuse. Elle voulait savoir si j'étais capable, dans quelques minutes, de lui proposer des propos plus crédibles dans le livre de croissance personnelle. Et j'ai dû lui répondre que, malgré le fait que Jésus nous lave du péché, je n'avais pas de produits de lessive à lui vendre. Annoncer l'évangile de cette façon-là n'est plus une annonciation de l'évangile, parce qu'on sait très bien que cette conception est influencée par l'esprit du monde, où on ne sert pas la vérité, mais on essaye de dominer sur les autres. Il y a une confusion facile, et c'est un dominicain qui vous le dit, l'amour pour la vérité et la passion pour avoir la raison, surtout quand on est les héritiers d'une église qui, pendant longtemps, en Occident, avait une sorte de monopole sur l'essentiel. Sans compter que ce passé risque rapidement d'ajouter à notre zèle missionnaire les tristes passions du regret et de la nostalgie. Ce n'est pas cette voie concurrentielle qui est la voie du monde, ce n'est pas la voie de l'Évangile. Et ce n'est pas non plus, me semble-t-il, et ce n'est sans doute pas un hasard, ce n'est pas non plus la voie que propose Don Giussani. J'en parle avec une extrême prudence, parce qu'il y a ici littéralement des milliers de personnes qui sont plus qualifiées que moi pour expliquer sa pensée. Parce que j'admets que je le connais peu, mais dans mon ignorance, il me semble malgré tout avoir compris que tout son engagement pour l'éducation, en particulier à travers le parcours que vous connaissez bien mieux que moi, cet ensemble de livres qu'il a écrit, il me semble que tout son engagement visait à proposer la foi comme une aventure et non comme une fermeture de la pensée. En d'autres termes, il ne considérait pas l'essentiel auquel la foi nous donne accès comme une conclusion définitive, un ensemble conclu, fini, clos, que l'on pourrait présenter et vendre à nos contemporains
exactement comme un baril de lessive, mais plutôt comme l'objet d'une recherche. C'est pour cela, me semble-t-il, qu'il existe un risque éducatif, pour reprendre le titre d'un livre de Giussani, avec des conclusions définitives à répéter et transmettre, on ne court pas de risque. Tout est déjà écrit. Il n'y a pas de risque, mais il n'y a probablement pas non plus d'éducation. Du moins pas d'éducation à la foi. Parce que la foi n'est pas un point d'arrivée. Et donc, la fin de toute recherche. Comme si chaque recherche se contentait de nous amener à la conversion et ensuite, j'ai la foi, je ne cherche plus. Au contraire, c'est le début, le commencement d'une recherche constante sans laquelle la foi n'est autre qu'une idolâtrie. Une idolâtrie de plus, même si elle peut être l'idolâtrie du véritable Dieu. Voilà pourquoi je ne suis pas surpris que l'on ait choisi pour thème de ce meeting une citation, comme l'a dit Bernard, d'un roman de Cormac McCarthy qui est le titre de toute cette rencontre, de tout ce meeting. Si nous ne sommes pas à la recherche, si nous ne recherchons pas l'essentiel, alors que cherchons-nous ? Je ne suis pas surprise de cela parce que, vous le voyez, le cœur de cette interrogation n'est pas ce fameux essentiel en soi, mais bien plutôt la recherche de l'essentiel. Et cela change tout. Affirmer que l'on possède l'essentiel, ce n'est pas la même chose que de le chercher. Une Église qui voit sa mission comme un devoir pour aider à voir, enseigner à chacun à chercher l'essentiel partout où il se trouve, une Église, une telle Église, n'est pas la même chose qu'une Église qui se contente de demander une adhésion. Accepter que la foi ne soit pas la possession de l'essentiel, mais bien plutôt le début de sa recherche, c'est certainement l'antidote le plus efficace contre notre tentation d'idolâtrie, à savoir d'appropriation de Dieu, nos tentations de fanatisme ou contre le risque de vivre selon l'esprit du monde, avec sa concurrence effrénée. Dire cela, présenter la foi comme une recherche, ne signifie pas faire l'éloge du doute, certainement pas du doute permanent. Le doute existe, c'est un état de fait. Et il y a des âmes qui en sont tourmentées, qui en sont obsédées, qui ne trouvent jamais de paix, tandis que d'autres en sont à peine effleurées. C'est avant tout une question de caractère et non de vertu. Et ce serait une erreur d'y attribuer une valeur morale, dans un sens ou dans l'autre, du reste. Quoi qu'il arrive, il ne s'agit pas ici de faire l'éloge du doute. Chercher l'essentiel, quand on est croyant, ne veut pas dire se soumettre sans fin à un doute lancinant sur Dieu, son existence, son Église, sa bonté. Mais bien plutôt croire que nous ne sommes jamais arrivés au terme de notre recherche, que nous ne possédons pas Dieu qui est infini et que pour l'éternité, nous tendrons toujours vers sa découverte. Nous serons toujours au début de notre chemin en ayant simplement aperçu la superficie d'un Dieu toujours plus grand et plus beau de ce que nous croyons. D'accord, pour l'éternité, vous allez me dire, très bien, ça nous laisse du temps pour nous habituer. Mais aujourd'hui, que signifie concrètement vivre dans la recherche de l'essentiel ?
On a compris, il ne faut pas posséder l'essentiel, mais le chercher. D'accord. Mais au-delà de ces belles paroles, qu'est-ce que cela signifie? Je crois qu'il existe une réponse très concrète à cette question. Mais pour y arriver, je vous demande de me suivre dans une petite déviation dans l'abstraction. Je sais que c'est l'après-midi, qu'il fait un peu chaud, mais faites-moi confiance, ça ne va pas être trop long. Et d'ailleurs, ça n'est pas de ma faute. C'est la faute de l'écrivain américain Cormac McCarthy, qui est l'auteur du roman, comme je le disais, dont on a tiré le titre de notre mythe. Ou plus ou moins, on en a tiré à peu près le titre. Parce que si vous avez la curiosité de lire le roman, vous découvrirez qu'il ne contient pas exactement notre titre. Qu'est-ce que vous lirez à la fin de ce roman? Si nous ne sommes pas à la recherche de l'essence, écrit l'auteur, alors que cherchons-nous? On parle d'essence et non d'essentiel. Il est probable que les organisateurs du meeting, qui n'ont d'ailleurs jamais prétendu que la situation soit littéralement de McCarthy, ont sans doute pensé, et ils ont eu raison, que en utilisant le terme « essentiel », on donnait une conception plus large et plus significative pour beaucoup d'entre nous. Être à la recherche de l'essence des choses est un peu confus, certainement plus nébuleux que de chercher l'essentiel, même si la racine étymologique est la même. Qu'est-ce qu'on veut dire exactement par essence? Sans entrer dans l'exégèse du roman, qui est d'ailleurs assez énigmatique, il semble que pour McCarthy, l'essence, dans le contexte du livre, doivent être comprises dans son sens philosophique. L'essence, qui pour Aristote est la cause ou le principe qui rend telle une chose. Chercher l'essence de toute chose, c'est l'enquête métaphysique par excellence, celle qui s'interroge au-delà des phénomènes, au-delà de la superficie des choses, sur ce qu'elles sont dans la réalité. Je vois d'ici ce que vous êtes en train de penser. Voilà encore un dominicain qui ne peut pas s'empêcher de tout ramener à Aristote et à la scolastique de Saint Thomas. Il nous avait promis quelque chose de concret et nous voilà à distinguer entre essence, substance, accident. Impossible. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas dans cette direction scolastique que je veux vous emmener. En effet, chercher l'essence des choses de cette manière, c'est certainement un projet passionnant pour un métaphysicien, mais je n'ai pas vraiment envie de me l'approprier. Si chercher l'essence des choses signifie les renfermer étroitement dans un ensemble de définitions toujours plus précises, je crains que cela n'obscure une réalité qui, au contraire, se révèle toujours plus surprenante et inattendue. C'est toujours ce que nous ne comprenons pas qui est le plus intéressant. Je vous le dis comme ça, si vous ne me comprenez pas, vous pourrez penser que c'est plus intéressant. Je vois que vous êtes nombreux à ne pas me comprendre. Bien entendu, le raisonnement est toujours utile. Mais il ne vient qu'après, après l'événement, après la rencontre qui nous a fait sursauter, qui a fait éclater toutes nos prévisions, toutes nos catégories prédéfinies. Le métaphysique est utile, je ne dirais pas le contraire.
celui qui fait de la métaphysique met tous les éléments dans les bonnes cases avec la bonne étiquette dessus. Mais il est tout aussi utile que l'est un archiviste qui range et qui classifie, qui classe. Napoléon avait ses archivistes qui nous permettent de mieux le comprendre aujourd'hui. Mais Napoléon n'est pas un archiviste. Il fait l'histoire, il ne la classe pas. Et je crains toujours, lorsqu'on se passionne pour les classifications et les définitions, que l'on passe au nom de l'essence à côté de l'essentiel, qui dépasse parfois nos schémas mentaux. Et pour être sincère, je ne suis pas sûre que chercher les essences, comme le fait un métaphysicien, soit un projet véritablement chrétien. À moins que nous nous comprenions cette recherche de l'essence dans un sens totalement différent. Il ne s'agit plus d'enfermer le réel dans des définitions rationnelles prédéfinies, mais de prendre au sérieux le récit de la création, qui, dans la Bible, ne vise bien entendu pas à entrer en compétition avec l'astrophysique dans la description des événements, mais à nous révéler le sens que Dieu lui-même donne à chacune de ses œuvres. Le cœur de ce texte du récit de la création, que nous connaissons tous bien, est le refrain qui revient jour après jour, lorsque Dieu contemple ce qu'il a créé. Dieu vit que cela était bon. Un refrain qui revient, mais avec une variante à la fin, le sixième jour, lorsque Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Dieu vit ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Si les choses, et surtout les êtres, ont une essence qu'il nous faut chercher, cela ne peut pas s'agir d'une définition conceptuelle et abstraite, mais de cette bonté fondamentale qui est leur vérité la plus profonde. Se mettre à la recherche de l'essence signifie s'engager pour dire face à toute chose et surtout à toute personne, c'est beau que tu existes. Le dire, mais surtout le penser. Adopter sur le monde le même regard que celui du Créateur qui sait voir en chaque chose un reflet de sa bonté. Qui regarde les guêpes et les moustiques et sait dire « C'est beau que tu existes ». Qui regarde chaque être humain et dit « Voici, c'est très beau ». Percevoir l'essence des choses et des êtres signifie savoir les regarder avec ce regard de reconnaissance, de joie, de bénédiction. C'est beau, c'est très beau que tu existes. Cette essence, il faut la chercher. Parfois, ce n'est pas du tout évident. Et pour être sincère, je me méfie un peu de ceux qui disent que cela saute aux yeux et que c'est clair que tout est bon. Ceux qui voient le bien dans le monde sans faire d'efforts, souvent, ne regardent pas le monde. Ils le rêvent, ils l'imaginent. C'est plus confortable. Cependant, il ne s'agit pas pour nous de traverser la vie avec un sourire permanent. Tout est beau, avec un optimisme qui résisterait aux bombes. Cette exigence de chercher l'essence, la bonté des choses,
et des êtres doit être accueilli sans ingénuité, sans superficialité, sans nier a priori l'existence du mal ou l'existence des mauvais. On ne dit pas seulement « il est beau que tu existes » à un enfant qui joue innocemment au soleil en souriant. On le dit aussi à celui qui vient de nous couper la route. Et moi qui vis au Caire, j'admets que parfois j'ai bien du mal à voir la bonté des hommes quand je conduis. Je crois que mon évêque est ici et il comprend ce que je veux dire. On le dit aussi à un assassin, à un criminel de guerre. Et on ne le dit pas par indulgence, en minimisant le mal commis. Oui, il ne voulait pas faire ça, il n'est pas méchant. Si, parfois, il voulait le faire. Pas. Si, il est méchant, bien sûr. Mais ce n'est pas son essence. Ce n'est pas l'essentiel, même si peut-être il faudra parfois toute une vie de recherche et d'effort pour le trouver, cet essentiel. Parfois, il est bien caché. Parce que si tout homme est à l'image de Dieu, le péché, comme le disent les pères de l'Église, lui ont fait perdre sa ressemblance. Et la vie chrétienne ne consiste pas seulement dans l'effort pour retrouver à travers la vertu, les sacrements, la vie spirituelle, notre propre ressemblance avec Dieu, mais aussi dans le fait de la chercher avec passion chez les autres. Tant que nous n'avons pas vu la bonté des êtres, cela signifie que nous n'avons pas encore fini de la chercher. Tant que nous n'avons pas trouvé en eux un reflet de la beauté de Dieu, cela signifie qu'il faut poursuivre notre recherche. Ce programme de vie n'a rien de sentimental ou de douceâtre. Il est d'une exigence incroyable, qui est l'exigence de la mystique. Faire en sorte que de chaque rencontre naisse une épiphanie, une manifestation de Dieu. Voilà la véritable contemplation chrétienne. Essayer avec des méthodes plus ou moins sophistiquées de se perdre dans l'unique ou dans le tout n'a rien d'évangélique. Mais essayer dans chaque personne la présence, parfois bien cachée, la présence de Dieu, voilà ce que fait Jésus du matin au soir. Heureux ceux qui ont le cœur pur, parce qu'ils verront Dieu, nous promet Jésus. Mais où verront-ils Dieu si ce n'est pas sur le visage de leur prochain? À condition d'avoir un cœur suffisamment pur pour ne pas voir dans ce visage une rivalité, une menace, un défi, mais plutôt l'occasion de rencontrer le Dieu vivant. On dit souvent que le prochain est le test de notre vie spirituelle. Vous savez, je crois que je suis très avancée dans la vie spirituelle, j'ai atteint des sommets où j'arrive presque au niveau de Teresa d'Avila. Et puis, mon voisin monte un peu le son de la musique et me voilà en colère. Alors, c'est vrai, cette histoire du test, c'est important. Mais c'est vrai surtout parce que le prochain est aussi le lieu où toute vie spirituelle chrétienne doit s'enraciner.
un lieu parfois aride et difficile, mais nécessaire si je veux prendre au sérieux la recherche de l'essentiel, de l'essence et la recherche de l'essentiel. Et comme tout programme de vie spirituelle, celui-ci aussi n'est pas seulement individuel, personnel. Il faut chercher cette essence dans notre petite vie quotidienne. Mais c'est aussi la devise de notre vie chrétienne commune. C'est le programme même de la vie et de la mission de l'Église. Bénir, autrement dit, dire bien, un vrai bien, sans arrière-pensée. Combien de fois nous disons malheureusement au fond, en réalité, ce n'est pas beau que tu existes, ce n'est pas beau que tu sois, mais tant pis, je me résigne. Parfois, on entend, derrière les affirmations de bienveillance universelle, beaucoup de réserves mentales qui résonnent comme des regrets. D'accord, mais tout de même, ce serait plus simple, c'est ce qu'on entend parfois dans les silences, si les homosexuels n'existaient pas ou si les musulmans n'existaient pas. Bref, en gros, ce serait mieux que tu n'existes pas. Et cela rend inaudible nos tentatives pour annoncer l'Évangile. On pourra ensuite, bien sûr, parler de morale sexuelle ou débattre de vérités religieuses tant que l'on voudra. Et on aura certainement des raisons pour le faire. Si et seulement si, on commence du début. Dire, et pas seulement dire, penser vraiment, pour tout être humain, il est beau que tu existes. Parce que le dire, c'est transmettre de façon authentique et annoncer la bonne nouvelle. Toute mystique suppose une certaine ascèse. Et celle-là n'a pas d'exception. Pardon. C'est l'ascèse de l'essentiel qui comporte le fait de ne pas se perdre dans le secondaire, dans ce qui est secondaire. Rien n'est plus facile aujourd'hui, mais c'était sans doute déjà vrai avant, que s'impliquer dans toutes les polémiques de la superficie médiatique, et parfois avec les meilleures intentions du monde. Par exemple, la préoccupation de proposer un point de vue chrétien sur cette question. Mais est-ce que c'est toujours utile pour le royaume de Dieu? Ma notoriété, aussi relative qu'elle soit, me conduit souvent à me demander, y compris ce matin, ce sont des journalistes qui veulent poser des questions sur des sujets qui n'ont rien à voir avec le meeting. Bien sûr, j'ai mes opinions, comme tout le monde, qui sont certainement très bonnes, sur de nombreux arguments. Et là, la plupart du temps, ce sont des opinions que je cherche de fonder sur ma foi chrétienne. Et je suis toujours flattée lorsqu'un journaliste me demande de les développer, d'exprimer mes opinions. Et parfois, j'ai même envie de les partager sur les réseaux sociaux. Mais est-ce qu'il s'agit vraiment de l'annonce de la bonne nouvelle? Ou est-ce que ce ne serait pas plutôt une distraction? Une perte de temps pour moi et pour les autres dans la recherche de l'essentiel. Un manque d'ascèse de l'essentiel. Cherchez tout d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par surcroît. La mission des chrétiens est avant tout de le dire, d'annoncer cet essentiel et ensuite de l'enseigner. Cette capacité de voir le bien, l'enseigner non pas comme une connaissance fondamentale, comme un chapitre d'un livre qu'il faudrait connaître par cœur, mais comme un savoir-faire,
apprendre à regarder le monde, à regarder les hommes et à voir en eux l'essentiel. Comme tous les savoir-faire, on peut le transmettre uniquement si on le pratique soi-même avec patience et humilité. C'est une mission à la fois très simple et vraiment extraordinaire, que l'on peut pratiquer partout et avant toute chose dans nos sociétés pluralistes. Voir et faire voir en chaque homme la manifestation de Dieu. Ce n'est pas jouer le jeu mondain de la concurrence dont je parlais tout à l'heure, mais transformer modestement mais efficacement le monde, un cœur après l'autre. Je vous le disais au commencement, et donc ça veut dire que je vais terminer. C'est la troisième fois que j'ai la joie de venir au meeting de Rimini. La troisième fois que vous me faites l'honneur de m'inviter. Je suis bien loin d'être vraiment familier avec toutes les richesses qu'offre cet événement. Mais je commence à comprendre quelque chose. J'ai compris avant tout ce qu'il n'est pas. J'ai compris que ce meeting n'est pas ce qu'en disent les journalistes qui s'intéressent uniquement au moment où arrivent les hommes politiques. J'ai compris plutôt... Plus important, j'ai compris que ce meeting, et c'est peut-être quelque chose que je craignais plus la première fois que je suis venue, j'ai compris que le meeting n'est pas une forteresse où l'on se retrouve entre chrétiens qui croient tous la même chose pour repartir ensuite revigoré à l'assaut du monde, plein d'énergie pour le conquérir et le dominer. Ce n'est pas une réunion de spécialistes du marketing qui cherchent la meilleure manière pour vendre leur Dieu au reste du monde. Au contraire, dans la diversité des invitations, des personnages invités et des propositions, je crois que ce meeting s'efforce de relever le risque de comprendre, de regarder le monde tel qu'il est, avec ses contradictions, ses luttes, ses échecs, ses angles morts. Essayer de le regarder comme le voit Dieu, comme une merveille, blessée peut-être, mais toujours une merveille, où Dieu se révèle et se montre. C'est peut-être pour cela que je reviens toujours avec joie. Et c'est aussi peut-être pour cela que vous, vous venez pour cela. Parce que, après tout, si vous et moi, nous ne recherchons pas l'essentiel, alors que cherchons-nous ? Merci à Adrien, Kendrian. Je pense que, en raison des applaudissements, je peux bien dire que vous avez atteint le cœur du public et que
vous nous avez invités à regarder le monde et à nous regarder. Et en effet, nous sommes à la recherche de l'essentiel, vraiment dans le sens que vous attendez. Il faut le chercher, le regarder tout le temps dans la merveille d'un monde qui est aussi blessé. Et d'avoir des amis comme toi, c'est vraiment une aide spéciale. Merci. Civiltà dell'amore, fratelli e sorelle, costruite senza stancarvi mai questa civiltà. Lavorate per questo, pregate per questo, soffrite per questo. Serve quando ti serve. Con EasyBank, la banca digitale di Intesa San Paolo. Vi prego, vi imploro, con umiltà e con fiducia, permettete a Cristo di parlare all'uomo. Don Giuseppe aveva capito il problema che avevo. Sì, la tua vocazione è vero, il tuo lavoro verrà fuori anche dai sassi. Comunicare la fede agli altri, ma veramente insieme a loro riscoprire che cos'è la fede, che cos'è la fede per me. Portare Cristo agli altri, comunicarlo agli altri, è l'unico modo che abbiamo per conoscerlo veramente. Comunionis aiuta a comunicare all'esterno la ricchezza di vita, di giudizi, di tentativi, di opere che nascono dalle persone e dalle comunità. L'Iter Comunionis è proprio la vita del movimento. Scrivete all'Iter Comunionis le vostre esperienze, ci fate bene. Prestare il proprio tempo per il bene comune è un valore prezioso che va sostenuto e tutelato. Da sempre, vicini a enti religiosi e non profit. Contatta subito i nostri agenti. E allora
si è voltato improvvisamente alla gente che era lì e ha detto: la gente che cosa dice che io sia? Chi dice che io sia? E voi chi dite che io sia? Avere quello che ti serve quando ti serve. Con EasyBank, la banca digitale di Intesa San Paolo. Vi prego, vi imploro, con umiltà e con fiducia, permettete a Cristo di parlare all'uomo. Don Giuse aveva capito il problema che avevo. Sì, la tua vocazione è vero, il tuo lavoro verrà fuori anche dai sassi. Comunicare la fede agli altri, ma veramente insieme a loro riscoprire che cos'è la fede, che cos'è la fede per me. Portare Cristo agli altri, comunicarlo agli altri, è l'unico modo che abbiamo per conoscerlo veramente. L'Iter Communionis aiuta a comunicare all'esterno la ricchezza di vita, di giudizi, di tentativi, di opere che nascono dalle persone e dalle comunità. L'Iter Communionis è proprio la vita del movimento. Scrivete all'Iter Communionis le vostre esperienze, ci fate bene. Prestare il proprio tempo per il bene comune è un valore prezioso che va sostenuto e tutelato. Da sempre, vicini a enti religiosi e non profit. Contatta subito i nostri agenti. E allora si è voltato improvvisamente alla gente che era lì e ha detto: la gente che cosa dice che io sia? Chi dice che io sia?